A mezzanotte in punto si sente un gran rumore. Sono gli scariolanti. Gli scariolanti, c'était des hommes qui allaient à travailler pour augmenter les bords du Po, hein, du fleuve Po, qui débordait souvent quand elle s'est remplissée d'eau, surtout pendant le printemps, soit pour les pluies, soit pour la neige qui allait à se dessoudre, etc. Et donc, pour ne pas être constamment envahi par l'eau qui détruisait après détruisait toutes les cultivations, etc., etc. Et ils ont décidé de monter les bords du Po. Donc, il fallait... Oui. Comment ça s'appelle ? Élever des berges. C'est ça. Mmh. Et il fallait donc des hommes pour aller transporter la terre, pour faire tout ça. Et donc, c'était des hommes qui étaient engagés pour faire ce travail, mais surtout la condition pour faire ce travail, bien sûr d'être fort, mais deuxième chose, c'est qu'il avait la carriola. Qui était propriétaire de ça, il était engagé dans ce travail. Donc, il partait de chez eux la nuit pour être là à 10 km, à 20 km au matin pour travailler avec leur charrette, carriola. Et la carriola a un fer et fait un bruit terrible. Et quand ces groupes d'hommes partaient de leur village pour arriver jusqu'à là, au bord du fleuve, pour faire ce travail, ils accompagnaient cette fatigue, parce que déjà, pousser la charrette, c'était lourd, même vide, c'était lourd, parce que c'est fait de bois lourd. Il accompagnait ce voyage à pied, qui durait des heures, avec ses chants. La nuit. La nuit. Hein? C'est pour ça qu'il chantait. Ça dit à minuit. Voilà. Alors, on part travailler. Il lançait la voix sur ces bruits de carrioles, ils étaient 4, 5, 10, 20, qui fait brrrr. Il lançait bien la voix, et il chantait. A mezzanotte in punto, qui avait la voix qui poussait en plus, chantait la première voix, les autres faisaient le cœur. Si sente un grand rumore, bien sûr, on entend un grand bruit, parce que c'était les scariolanti, ça veut dire qu'ils passaient avec les carrioles. Sono gli scariolanti, le rilerà. Sono gli scariolanti, le rilerà. Et voilà, après répéter la même chose. Volta et rivolta, ça tourne, c'est ça, c'est la charrette. Volta e rivolta, c'est la roue qui fait... Oui. E torna a rivoltar. Sono gli scariolanti, le rilerà. Che va. Les voix, normalement, qui lançait la voix avait sûrement une voix plus puissante que les autres. Il y avait une voix qui dépassait le bruit des carrioles. Hein? Et que donc, pour dépasser le bruit, c'est lancé bien haut et fort. C'est comme la fosse d'orchestre, quoi. Mais la technique c'est bel canto. C'est ça. Avec... Et de toute façon, c'était des voix habituées à s'en passer du téléphone. Mm. À s'en passer du courrier et que c'est lancer la voix d'une colline à l'autre pour communiquer, parce que si tu n'avais pas une voix puissante, il aurait fait traverser la vallée et aller à pied de l'autre côté pour informer qui tu devais informer. C'est pour ça que je te parlais d'une intimité à minimum de 100 mètres. Voilà, alors il devait, qui avait une nature favorable, qu'elle avait aidé avec des beaux poumons, des cordes vocales puissantes, etc. Et ne risquait pas de se casser trop la voix. Il avait habitué sa voix à parler très loin, lointain. Et donc, tu disais, il y a d'autres couplets où, de toute évidence, ils ne vont pas que travailler en ville. Bien sûr. Ouais. Il y a un autre couplet qui dit... Gli scariolanti belli sono tutti ingannatori, hanno ingannato la bionda, le rillerà.
ra andringanna la biondallerillera gli scariolanti belli son tutti ingannatori andringanna la biondallerillera per un bacin d'amor volta rivolta etc etc etc. Oui, bien sûr. Donc, ce sont tous des chasseurs. Ingannatori, voilà. Les menteurs même. Ah ouais. Et qui chassent la blonde. Eh bon, ils ont, ils ont chassé la blonde et même la brune pour un bacino d'amore. Pour un petit baiser d'amour. Mais oui, mais pas pour grand chose, juste pour l'embrasser sur la bouche.